Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver de l'autre côté de la table, alors que l'équipe du Châtelard est là, avec Édouard, Chantal, Miguel, Alfred, à la technique, moi-même, Jean-Marc, pour lire ensemble, dans cette lecture partagée de l'Évangile, l'Évangile du jour des rameaux, donc qui est à l'ouverture de la liturgie de ce dimanche des rameaux et de la Passion. Et nous allons commencer par lire cet évangile qui est dans Saint Luc. Nous retrouvons Saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. Nous le lisons. Ayant dit cela, il partait en tête, montant à Jérusalem. Et il advint qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux des disciples en disant: allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez à l'attache un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous direz ceci: « C'est que le Seigneur en a besoin. » Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et tandis qu'il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent: « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils dirent: « C'est que le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent donc à Jésus, et jetant leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Et, tandis qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers, quand dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens de la foule lui dirent: « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il répondit: « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Nous prenons quelques minutes pour lire, relire personnellement cet évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem lors des rameaux.
Nous allons commencer à vivre ce temps de partage à partir de la lecture de cet évangile qui nous est donné au début de la célébration des rameaux. En fait, nous sommes au chapitre 19 de Saint Luc et ce chapitre a commencé à Jéricho avec l'appel de Zachée. Et après, de Jéricho à Jérusalem, le chemin monte très fort et là, sur les hauteurs, on arrive à Jérusalem. Et c'est là que commence ce passage que nous lisons aujourd'hui. Et nous pouvons partager selon ce qui nous vient à l'esprit. Moi, quand j'entends cette page d'évangile, qu'on n'entend donc décidément que dans le dimanche des rameaux, je la vois dans son contexte liturgique. Je me rappelle tous ces pèlerinages de Chartres avec les étudiants. Nous célébrions les rameaux à 300 mètres de la cathédrale, donc de façon très festive, avec des hosannas magnifiques. Et puis après, nous allions marcher en portant la croix pour entrer dans la cathédrale et entendre là-bas le récit de la Passion. Et donc, c'est le contraste entre cette joie de l'hosanna initiale et puis le drame de la Passion qui va suivre, qui fait de ce texte une splendeur dans la liturgie. Voilà. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a de l'ambiance. Oui. Toute la foule des disciples est remplie de joie, d'un côté, et puis il y a les pharisiens qui se trouvent par là, qui eux sont furieux, au contraire, et la dernière phrase de Jésus qui est rude et qui annonce la suite aussi. Si eux se taisent, les pierres crieront. Je trouve qu'il y a une espèce de... Il y a une célébration, on est dans la louange, on nous dit qu'à pleine voix, on louait Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et en même temps, on annonce un affrontement qui va avoir lieu, quoi. C'est le passage de l'un à l'autre, là, qui termine ce... Si je me souviens bien, cette parole, « Si eux se taisent, les pierres crieront », est repris soit dans le testament du moine de Tibérine, Christian de Chergé, soit dans ce qu'il a pu écrire lorsque des ouvriers chrétiens croates ont été égorgés sur un chantier pas loin. Et il y avait ce titre, si eux se taisent ou si nous nous taisons, les pierres crieront. C'est marrant parce que quand tu parles des pharisiens, là, Edouard, moi je ne vois pas tout à fait la même chose. Parce que quand même, il y a des pharisiens, on les catalogue toujours de méchants, mais ils étaient aussi dans la foule pour acclamer. Peut-être qu'ils savent que Jésus est condamné et ils lui disent, mais peut-être qu'il ferait plus de discrétion par rapport à... pour ne pas te faire repérer ou pour... non. Une interprétation vraiment bienveillante. Ben oui. On peut être dans la foule en contrôle social. Oui, il y a la police est dans la foule aussi, elle est dans les manifs. Oui, mais quand tu dis maître réprimande tes disciples, il lui dit maître. Maître oui. Réprimande tes disciples, oui. Ça veut dire fais taire ce qui doit se dire, sinon les pierres le crieront. Donc, eux, ils voudraient faire taire... cette aspiration au salut qui habite les hommes, là, ils voudraient faire taire. Oui, parce qu'ils savent ce qui attend Jésus. Ouais. Parce que les pharisiens, non, ils sont. Non, puis il y a un contenu. Ils disent béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Alors, hosanna, enfin, c'est pas là, là, il n'y a pas hosanna. Mais pipé dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Oui, donc c'est le roi. Donc, ailleurs, on a mis le fils de David, hosanna au lieu des cieux. Donc, en fait, c'est une grave erreur de penser, pour les pharisiens, de penser que Jésus soit fils de David et qu'on puisse l'acclamer comme un roi. Enfin, je veux dire. Et puis, les pharisiens, ils connaissent les Écritures et puis ils ont quand même décodé ce qui est en train de se passer. Bah oui. Cet homme qui est sur un annonce, c'est la prophétie de Zacharie, c'est-à-dire c'est le Messie. Et donc, c'est reconnaître le Messie de gloire en Jésus. Ça, c'est tout à fait... Pour eux, c'est impossible.
où c'est difficile. Oui, puis paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux, ça veut dire que la création elle-même est associée à l'action de grâce, quoi, pour lui. Dans l'ensemble des textes, arriver à Jérusalem et chasser les vendeurs du temple, qui suit directement chez les trois synoptiques, c'est intéressant de voir toujours ce même contraste entre la joie des uns et la fureur des autres. Mmh. Entre le peuple est suspendu à ses lèvres. Alors Jésus fait un fouet, mais le peuple est suspendu à ses lèvres. Voilà. Il invective les gens, mais en même temps, les gens sont sous le charme de sa parole et il guérit des malades. C'est dans Matthieu, je crois. Autrement dit, il y a ce contraste-là qui caractérise la survenue du Seigneur. Nos cœurs divisés. Oui. Dans la Bible, beaucoup, les pierres sont souvent assimilées à quelque chose d'humain, quoi. Nos cœurs de pierre, nos cœurs de chair, les deux, toutes ces pierres, je ferai ta descendance, en fait, il dit ça à Abraham. Et c'est nos cœurs, quoi. Il y a quelque chose là qui est... Mais il y a aussi le ciel et la terre, oui. Les pierres. Oui. Donc elles font partie de la création. Qui reconnaît le Messie. Il n'y a pas que les hommes, il n'y a pas que Israël. Oui. Il y a toute la création qui va se réjouir de la venue du Messie. Un personnage qui est important dans la première partie du récit, c'est l'âne. Ben oui, puisqu'on en parle beaucoup. Le petit âne attaché, détaché le petit âne, détaché, pourquoi détachez-vous l'âne ? Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus. Détaché il prend beaucoup de place. Cet âne, ce petit ânon. Comme disait Miguel, c'est la prophétie de Zacharie. Ouais. Donc un roi, par exemple le roi Salomon, est entré dans Jérusalem sur un âne ou sur une ânesse, mais pas sur un cheval. Parce que c'est guerrier, le cheval. Guerrier, orgueil, voilà. C'est ça. La dimension d'humilité de l'âne sied pour un roi. Paix. Oui. Enfin, ce type de roi. Ouais. Donc vraiment un roi de douceur et d'humilité. Un triomphe joyeux, mais très humble. Très humble et pénible. Un roi de douceur et d'humilité. Très humble. Alors on voit à la fois la grandeur, donc la grandeur du Messie qui se dessine, et puis l'humilité. Et puis donc quand on va rentrer dans l'église, parce que ça on lira ça au début de la messe, sur le seuil de l'église, on rentre dans l'église et puis là on va entendre la passion, et alors là on va aller, on va descendre, on va voir Jésus se laisser humilier jusqu'au bout et descendre. Et là on peut bien dire ça ici dans cette maison, on trouve le Christ des deux étendards, c'est-à-dire en humble place, beau et gracieux. Oui. Et tout à fait là. Et c'est lui. En humble place. Oui. Et pourtant, il porte un étendard. Enfin, il va dans une direction. Il entraîne dans une direction. En humble place. Beau et gracieux, d'où cette atmosphère aussi joyeuse. Il y a une espèce d'atmosphère de joie populaire aussi qui baigne cette scène. Les gens étendaient leurs manteaux, etc. La foule remplie de joie. Il y a un côté liturgique qui convient à la liturgie dans ce récit, parce que Jésus leur raconte l'histoire et ensuite ils vont vivre l'histoire. C'est-à-dire, Jésus leur raconte, allez à ce village, à l'entrée vous trouverez un petit âne sur lequel personne ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. Et si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. Donc c'est l'histoire racontée avant. Et alors, on nous raconte ce qu'ont vécu les envoyés. Donc ils partirent, trouvèrent comme Jésus avait dit. Lorsqu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres lui demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent l'âne auprès de Jésus. Et
Ils disent donc, parce que le Seigneur en a besoin. C'est ce que Jésus leur a dit de dire. Mais donc, le mot « le Seigneur », ça veut dire que pour les maîtres de l'âne, ça a tout de suite une résonance. Ils savent de quoi, de qui on parle. Et du coup, ils laissent faire. Donc, bon, ce sont probablement des amis très proches de Jésus. Un peu comme le gars chez qui Jésus a envoyé des disciples préparer la scène. Le maître en a besoin, enfin, je veux dire, ou le maître veut célébrer la scène chez vous. Enfin, là, Et là, c'est le Seigneur aussi. Comme tu disais dimanche dernier, il y a le Seigneur. Là, la femme adultère qui disait Seigneur. Oui, là, c'est le Seigneur. Oui, ça pourrait être dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, finalement. Oui. Ils connaissent le Seigneur. Oui. Est-ce que vous me permettez de signaler, pour mettre en appétit, enfin, de signaler ce qui sera une singularité de la passion qu'on entendra, celle de Luc, en lien avec l'évangile de dimanche dernier, la femme adultère. La femme adultère, c'était donc le Christ qui se mettait au niveau d'une pécheresse pour la relever. Chez saint Luc, quel est le dernier visage humain que Jésus de Nazareth, regarde en face? Quel est le dernier visage que Jésus aura eu dans les yeux chez Luc? Quelle est la dernière personne qui va s'adresser à Jésus dans l'évangile de Luc? C'est le bon larron. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire, le Christ va descendre pour nous rejoindre dans notre malheur, enfin voilà, et non seulement pour rejoindre les victimes de notre malheur, mais pour nous rejoindre, nous, criminels et pécheurs. Voilà. Le dernier que le Christ aura eu en face, c'est un criminel. C'est le dernier, ce criminel, qui s'adressera à Jésus. C'est formidable, quand même. Le Christ, vraiment, descend. Voilà. Et le petit anon du début, eh ben, c'est déjà un indice de cette modestie, de cet abaissement du roi de gloire. Ben oui, c'est ce mélange d'humilité et de gloire caractérise beaucoup cette entrée à Jérusalem. Et c'est au fond une note. C'est une note de toute vie chrétienne, les deux. Et quand il dit « si eux se taisent, les pierres crieront », moi j'entends très fort « si on n'est pas artisan de justice, eh bien, si on n'est pas artisan de solidarité, pour la justice, ça, les pierres crieront, il y aura quelque chose qui va se passer. » Je crois qu'on est rappelé à ce message d'attention à l'autre. Alors dans l'évangile, on dit que la foule des disciples, donc une foule de disciples remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc il y a un contenu à leur louange, qui est en fait le rappel des miracles qu'ils ont vu faire à Jésus. Et c'est une récapitulation, alors, c'est voilà ce que tu veux dire. Et du coup, monte de leur cœur cette action de grâce, comme si tous les miracles se donnaient rendez-vous dans leur cœur à ce moment-là et les conduisaient à unir leur voix et à pousser des cris de joie. Et à dire, alors, la reconnaissance, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Ouais. » Alors là... c'est l'identité de Jésus qui est reconnue, acclamée. Il y a la joie. Oui, les pierres crieront, la souffrance du
du monde. Tout le monde. Mais les pierres chanteront aussi la joie et vous n'empêcherez pas la joie de se dire. C'est-à-dire, oui. Vous ne ferez pas taire la joie qui veut avoir le dernier mot. Et elle l'aura. Du coup, c'est d'une voix forte. Oui, si les hommes ne comprennent pas, ne parlent pas, alors la création qui comprend va parler. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on... Oui. Est-ce qu'il y a les pierres qui crieront? Et puis il y a dans le ciel, gloire à Dieu. C'est comme à la nativité, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux, ça rappelle la nativité de Jésus, les anges qui ont chanté. Tout à fait, oui. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, ah oui. Mais c'est bien la vie qui va naître. Oui. Tout à fait. Les disciples remplis de joie, les bergers aussi étaient remplis de joie. Ils se mettaient à louer Dieu, les anges. En fait, là encore, ça placera un appel à la conversion de réaliser que tout ce qui est fait, qui nous est donné, que l'on n'a pas à mettre sous le boisseau la joie qui est déposée quand il y a au vu de tout ce qui a été donné, quoi. Et que si on se tait, les pierres crieront, quoi. Je crois qu'on a une responsabilité là qui est engagée. À partir du moment où on a fait une rencontre et que la joie a été déposée. C'est en cela, je pensais, l'expression que le pape utilise des disciples missionnaires. Que les disciples témoignent de leur rencontre personnelle avec Jésus. Eux, ils laissent jaillir ça, quoi. Il y a une image du Christ, enfin, on ne sait pas comment un peintre pourrait rendre ça, ou un vitrail, qui mélange à la fois la gloire, le triomphe, l'humble triomphe et l'humilité, quoi. C'est ce mélange unique. Dans le sourire du Christ de Ravière, il y a vraiment quelque chose de cette humilité, de cette douceur, non? Oui, par exemple, oui. La gloire apparaît pas. Il y a un petit côté triomphe. Oui, oui. Sur place, un petit triomphe populaire, je ne sais pas, mais un petit côté triomphal, mais en même temps pas triomphaliste, quoi. Oui, oui, c'est la gloire. C'est la gloire, mais elle est humble. La densité de l'amour. Elle est pour la joie de tous. Ouais. Eh bien. Nous allons nous arrêter là dans ce partage de l'évangile des rameaux et nous nous retrouverons pour le dimanche de Pâques, à la fin de la semaine pour Pâques. Nous proposerons une nouvelle lecture partagée et la dernière de tout cet ensemble du carême qui a commencé au premier dimanche de carême et qui se terminera à Pâques. Donc, bonne semaine sainte à vous tous. Dans les lieux où vous serez, et nous nous retrouverons avec l'équipe du Châtelard, donc pour dimanche prochain, jour de Pâques.